c'est vraiment pouvoir être le bras droit du chef d'entreprise. C'est pouvoir l'aider au quotidien. Donc déjà, c'est des tâches qui sont différentes dans le quotidien, dans la partie production. Ça peut être le management d'équipe, etc. Mais je pense qu'un second efficace, c'est un second qui va aussi être force de proposition. Pouvoir faire des actions au quotidien pour appliquer ou communiquer la stratégie d'entreprise. Donc c'est vraiment un allié. Parce qu'il y avait deux éléments importants qui étaient la partie management, où c'est un côté que je maîtrise un peu, mais qui pour moi peut toujours être amélioré. Donc revoir les bases, revoir des outils utiles. Et une autre partie là qui est plus importante, c'est la partie gestion financière, qui pour moi est cruciale, et où là j'avais très très peu de connaissances, ou alors de très très vieilles connaissances. Moi, ce qui me plaît vraiment dans cette formation, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, on peut déjà l'appliquer demain. C'est des outils comme l'analyse SWOT, qui est une méthode d'analyse assez connue, mais qui permet de faire le point sur les points forts et les points faibles de l'entreprise, les opportunités et les menaces. C'est quelque chose qu'on voit quand on fait une formation de management. Mais après 10 ans de vie active, on oublie un peu que cet outil est à notre disposition. Donc le fait de se poser, de refaire une analyse SWOT de l'entreprise, c'est très très important. C'est une formation certifiée. Ça permet entre autres d'avoir des subventions pour pouvoir la financer. Mais c'est aussi pour moi un gage de qualité.